C'est bien connu. Paul Pogba est un sportif engagé. Certaines causes le touchent plus que d'autres. Comme le racisme dans le monde du football entre autres. Pour les footballeurs professionnels. Les athlètes ne peuvent plus tolérer les critiques et les insultes dues à la couleur de peau. À l'orientation sexuelle ou même la confession religieuse. Pourtant, le dimanche 11 juillet 2021, certains joueurs anglais avaient été victimes d'injures racistes en plein match Italie-Angleterre. La défaite des Anglais avait déclenché la colère des supporters. Trois membres de l'équipe avaient rapidement été pris à partie sur les réseaux sociaux à cause de leurs origines. Des propos scandaleux qui avaient fait réagir Paul Pogba sur son compte Instagram. Le lendemain de l'affaire, l'ami d'Antoine Griezmann n'avait pas pu se retenir et avait pris la parole à travers une publication Instagram. Celui-ci avait livré un message de soutien envers Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka. « Nous ne pouvons plus tolérer ou défendre le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre. Les garçons, vous devez garder la tête haute et être fiers de votre confiance en vous. Vous êtes des exemples pour ce beau jeu. » N'oubliez jamais cela. Soyez fiers de vous. Le monde du football est fier de vous, avait-il écrit. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Paul Pogba est toujours présent. Pour fêter une victoire, pour soutenir ses compagnons de jeu. Et même pour rendre hommage à ses proches. Ce dimanche 5 septembre 2021, il a annoncé la mort de Brian Dodan, un jeune footballeur qu'il soutenait dans son combat contre la maladie. La plus triste des nouvelles. Mes pensées et mes prières accompagnent tous tes proches. Perdre un être cher n'est jamais facile mais je ne t'oublierai jamais, a écrit Paul Pogba en légende de sa dernière publication Instagram. Les internautes ont pu découvrir plusieurs clichés de Brian en compagnie du joueur de Manchester United. Des souvenirs bouleversants.